Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et on vous assure qu'il est somme toute homéostasique à souhait, parce que nous avons ici, sur ce plateau, quelqu'un qui vient de très loin, 8 000 km le séparent d'ici, mais il est venu comme ça là nous donner la quintessence même sur un thème tout à fait homéostasique, l'homme noir et l'islam. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs s'est étonnée pour savoir d'où vient-il que son frère Abdullah s'amène sur ce plateau pour venir nous parler de l'homme noir et l'islam, quand on sait très bien que le saint prophète de l'islam lui-même n'est pas négro et qu'il n'y a aucun noir à l'origine de l'islam, que parmi les compagnons même du saint prophète à son époque, il n'y avait aucun noir. Donc l'Afrique où les noirs n'ont rien à voir avec l'islam. Normalement, on devrait fermer toutes les mosquées et faire repartir l'islam d'où ça vient. Ça ne sert absolument pas qu'on vienne nous dire ici, il y a un lien quelconque entre l'islam et l'homme noir, sinon l'homme noir et l'islam. D'où la pensée du jour, mesdames et messieurs. Les noirs ont peur de l'islam. Nous autres, nous ne voulons pas ça. Mais ce n'est pas au mieux choisi la spiritualité de profondeur qui s'est amenée avec ce thème. C'est mon frère Abdullah qui est revenu de Paris. Il a fait Kinshasa, il est arrivé ici justement pour remettre la vérité sur ses rails, sinon remettre des points sur les i. Et il est accompagné par le très célèbre docteur Abdul Madid, hyper recherché dans le monde entier, au point où rien que le monde entier qui demande après Abdul Madid arrive à décharger le téléphone de la spiritualité des profondeurs. On dit, c'est quoi cette histoire-là? Abdul Madid, qu'est-ce qu'il a fait boire à tous les musulmans pour qu'on le réclame à cor et à cri? Chacun voudrait se retrouver dans son WhatsApp. Mais nous-mêmes, on ne sait même pas. Chacun veut avoir son numéro de téléphone. On ne peut pas vous le donner. Nous vous le disons chaque fois. Ce n'est pas notre faute, c'est pour permettre au docteur de se reposer. Parce qu'il n'est pas une machine. Alors, mon frère, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Docteur, bonjour. Bonjour. Ça nous ferait du bien de vous recevoir sur ce plateau. Nous savons que nous sommes partis pour édifier les nôtres. Et là, comme nous sommes homéostasiques, on a lu l'Afrique en tête. Mais on va regarder ça après. Alors, d'où vient-il qu'un musulman osa comme ça là venir sur ce plateau parler de l'homme noir et l'islam? Est-ce qu'il y a un lien entre l'islam et l'homme noir? Mais avant que vous répondiez à ces questions-là, qui êtes-vous, Abdullah? Bismillah. Louange à Allah et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toute personne ici présente qui recherche la guider. Alors moi, je me présente Abdullah Al-Hanifi, membre du collectif Al-Hanifiya. C'est un collectif qui se veut dans l'interreligieux. Nous sommes en France. D'ailleurs, je salue et je passe un grand salam à mes frères, mes collègues, ma famille du collectif Al-Hanifiya. Et donc, on est parrainé par le docteur Abdul Majid ici qui est ici présent. Et on essaie de faire un travail pour édifier nos concitoyens et toute personne en recherche de la vérité. Mon frère Abdullah, vous êtes beau, ça on le reconnaît. Intelligent, ça c'est vrai. Mais est-ce que vous connaissez l'islam? Est-ce que vous en avez la maîtrise? Sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous avons peur du docteur Abdul Madid, il est là. Mais est-ce que vous, en venant avec ce thème-là, vous-même, vous connaissez l'islam? Vous avez la maîtrise des arcanes de l'islam? Ou vous venez pour amuser la galère? Je n'aurais pas la prétention de dire que je maîtrise l'islam, ce serait prétentieux. Bon, déjà, vous m'avez dit la qualité que je suis beau. Ah, ça, vous êtes beau, c'est bon, je ne sais indéniable. Pas, ça, je ne veux pas prétendre. Nous-mêmes, nous je avons ne veux pas prétendre l'être. Mais bon, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté d'après Ibn Mas'ud dans le Sahih Muslim que Allah est beau et il aime ce qu'il est beau. Ah. Donc, je tente de Mais répondre la beauté, à ce n'est pas un péché quand même. Non, je voulais dire Allah est beau et il aime ce qu'il est beau. Ah, super. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, après, déjà par rapport à l'introduction que vous avez vue, vous avez déjà mis le pied à l'étrier, si je puis dire, lorsque vous nous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de compagnon en tout noir, cas, tout ça, on va vous, même pas un seul tout noir. Ça, on va vous montrer. On va vous montrer, on va vous montrer ça avec plaisir. Ce sera, je pense, un petit plat spirituel assez consistant pour nos téléspectateurs. Et vous allez voir, comme vous avez dit que c'est homéostasique, on va essayer de rééquilibrer ça là. Hein. Ça va être un bon équilibre. D'accord, c'est super. Docteur Abdoul Madid, vous complétez, vous arrivez seulement pour accompagner ce jeune dans l'islam, il n'est pas aussi ancien que vous, on le sait très bien. C'est vrai que vous n'êtes pas le principal, mais puisque le monde entier vous réclame, puisqu'ils sont partout à travers le monde à vous suivre, nous leur avons dit, restez scotchés, aujourd'hui là, vous l'aurez aujourd'hui, vous l'avez trop cherché, aujourd'hui vous l'avez. Alors si vous avez une minute pour dire quelque chose à ceux qui vous suivent, en commençant par dire qui vous êtes, et à dire un mot tout à fait particulier à ceux qui criaient après vous, là. Que leur diriez-vous?
Donc, je suis Kassoubi Abdelmajid de la République démocratique du Congo, président et fondateur du groupe islamique Al-Badr de la République démocratique du Congo. Je suis membre du groupe pour la paix à l'islam du Congo-Brazzaville. Et je suis le parrain donc, du collectif Al-Hanifia qui est en France. J'ai un grand nombre d'élèves, disons, en France. Alors, pour ceux qui me recherchent, bon, je suis à leur disposition. Sauf qu'on ne veut pas trop passer notre numéro parce que parfois il y a même des gens qui m'appellent à 2h, 3h du matin, ainsi de suite. Mon premier WhatsApp est déjà saturé. Il y a plus de 150 000 messages, je ne sais même pas comment impossible. Aller vivre. J'ai changé même de numéro de WhatsApp, j'ai un nouveau numéro. Mais du moins, je reste le serviteur de l'islam. Et quand vous en avez le temps, vous continuez quand même à leur expliquer des choses et d'autres. Oui, bien sûr. C'est votre mission. Bien sûr. Vous ne pouvez pas quand même empêcher les gens de vous poser des questions. Bien sûr. Là, je reviens fraîchement du Cameroun, où j'ai passé un séjour de presque 2 mois. Où les gens étaient heureux de nous dire « Abdoulaye ici au Cameroun ». Oui, plus de 2 mois même, je dirais. Plus de 2 mois. Et le thème principal qui a été abordé dans cette péripétie, c'était... la contribution de l'islam dans la pérennisation de la paix et du vivre ensemble. Super. Ok, alors, cela dit, le décor est planté. Mon frère, on vous écoute. Oui, on a voulu déjà entamer un sujet comme ça, comme vous êtes sans ignorer qu'on est à une époque où nous sommes très contents. On a vu qu'il y a un très grand engouement de la part des Africains, que ce soit des Africains locaux ou des Africains de la diaspora, comme moi par exemple. Et cet engouement, justement, qui, est, je pense, est alimenté par un goût patriotique pour son peuple, nous, on a voulu encadrer cette chose-là afin que les choses puissent être, je dirais, droites et que vraiment, on ne puise pas sur des choses qui peuvent être des idées reçues, des amalgames et surtout qui peuvent être, en réalité, un poison pour le peuple africain. Mmh. Comme, par exemple, lorsque vous nous avez dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, n'a aucun rapport avec les Noirs, il n'a jamais eu de compagnon noir. Vous m'avez demandé si je maîtrisais l'islam. Non, moi, je ne suis qu'un élève, je tâtonne avec l'islam, mais j'essaie de tâtonner convenablement. Mmh. Et donc, par rapport à ce que je dis, je peux vous dire que vous avez totalement faux. Ah. Totalement faux. Tout d'abord, la nourrice du prophète, alayhi salatu wa salam, Baraka Aymen, était noire. Sa nourrice était noire, Baraka Aymen. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit à son sujet... que celui qui veut marier une femme du paradis, qu'il marie Baraka ou Aymen. Et c'était une femme noire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un fils adoptif, Zayd, qui était noir. Le seul mentionné dans le Coran, le seul compagnon nommément cité dans le Coran, qui est noir. Dans le Coran, on trouve une sourate, la sourate Luqman. Luqman était noir. Donc ça, c'est des choses que le musulman averti, ça ne peut que le faire sourire. Et je peux vous donner un conteneur de compagnons qui étaient noirs. El Mikded, El Julaybib. Je peux vous en donner plein. Mais puisque nous avons mené des recherches et découvert qu'il n'y a pas plus grand raciste que le prophète. Ah, alors là, ça c'est des recherches que je pense... Vous n'êtes pas encore allé trop loin. C'est de recherches qui méritent encore plus de recherches. Hein? Là, vraiment, parce que moi, j'ai un hadith qui se trouve rapporté par l'imam al-Bukhari, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils adoptif s'est marié avec sa nourrice Baraka Aymen, ils ont eu un enfant noir qui s'appelle Oussama ibn Zayd. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris cet enfant-là dans ses bras, il a pris son petit-fils dans ses bras, et il a dit, « Ya Allah, aime-les, car je les aime. » Et sa femme, Aïcha, nous rapporte que personne ne peut détester Oussama ibn Zayd. Car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui n'aime pas Oussama ibn Zayd, Allah ne l'aime pas. Alors regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il nous dit que celui qui n'aime pas ce noir, alors il ne peut pas espérer avoir l'amour d'Allah. Donc comment on peut parler de racisme? On ne peut pas trouver de racisme dans ça. Dites mon frère, on sait que vous êtes musulman. Ça on le sait très bien. On vous le concède aussi, c'est normal. Mais est-ce que vous dites ces choses pour nous attirer dans un piège? Ou bien c'est authentique? Est-ce que c'est coranique? Est-ce si que c'est historique du, si vous voulez du coranique, est-ce que c'est vrai si que... Si vous voulez du coranique, donc, on peut vous le donner. Mais évidemment, on peut vous le donner. Nous, on ne veut vous pas les choses en l'air. Vous allez dans ce on bataille, sait depuis vous... toujours, on vous dit ça. Peut-être que vous ne savez pas. Nous savons beaucoup de choses sur l'islam. Comme l'islam qui a mis au fer les noirs que nous sommes, bien pire que... les Européens qui sont arrivés après, les Arabes, dont le prophète, ont mis au fer les Noirs. Et ils nous ont traînés jusqu'à Zanzibar. On nous a dit ça à l'école.
Et ils nous ont fait, ils nous ont convertis par la force, par la terreur, par l'épée. On ne peut pas dire quand même. Là, vous rentrez dans un sujet que j'aime beaucoup. Ah, mais car c'est ça. Vous attendions au tournant, là. C'est un sujet que je vous l'avoue. Donc, c'est un pour nous, les Noirs, l'islam, ce n'est pas notre affaire. Qui me tient fortement à cœur. On vous écoute. Le docteur est là. Il va je compléter. Je reviens avant de venir. Je vous annonce que je reviens du Togo et du Ghana. Du Togo, du Ghana. Et du Ghana, parce qu'au Ghana, le Ghana fait partie des 7 portes ouvertes, c'est-à-dire les 7 endroits dont les esclavagistes ont emmené tous nos descendants. Donc, vous avez cité le Zanzibar, il y a également Ouida au Bénin. Voilà. Je suis parti là-bas. Il y a Dioso ici au Congo. Au Congo. Et d'ailleurs, je suis parti là-bas. Et petite anecdote, hein, faut voir comment les Congolais n'ont pas respecté leur patrimoine. Évidemment. Jusqu'à ce que les chaînes esclavagistes ont été vendues comme on vend du pain. Vraiment. Non, ça c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, là, on est en train de se rattraper. On veut se rattraper pour retrouver cette histoire-là. Je suis parti ici. Vous avez bien fait d'y aller. Je suis parti à Dioso. Mm-hmm. Je suis parti également au Sénégal, à l'île de Gorée. Super. Voilà. Ah, on aime l'île de Gorée. Je suis parti. Roméo Stasi n'est pas encore arrivé, mais il faut que nous arrivions. Donc, vous avez parlé du Zanzibar, il y a également l'Angola et le Cap-Vert. Évidemment. Mais donc, voilà. Moi, je suis parti à tous ces endroits-là. Et donc, quand on parle d'esclavagisme, il faut faire très attention. Ah. Chaque mot a ses précisions. Lorsque vous nous avez dit que le prophète, alayhi salam, avait des esclaves, il torturait les gens. Des esclaves noirs. Non, c'est totalement faux. Le prophète, alayhi salam, le fils adoptif du prophète, alayhi salam, était esclave. Il l'a affranchi. Et il l'a considéré comme son fils adoptif. Et certains l'appelaient Ibn Rasulillah, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis à la tête d'une armée. Comment on peut parler? Et quand on parle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on prend le hadith rapporté d'après Abu Huraira, hein, le hadith Qudsi, qui est dans le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah dit que je serai l'ennemi de 3 personnes le jour de la résurrection. Celui qui fait un engagement et qui ne s'y tient pas, celui qui fait travailler un salarié et il ne le paye pas, et celui qui vend des esclaves et s'enrichit avec, qui fait du commerce. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit que celui qui fait la chose que vous condamnez, et bien alors il dit que ce sera l'ennemi d'Allah le jour du jugement dernier. Oui, tout à l'heure on a dit qu'on allait vous donner des preuves coraniques. Allons tout simplement dans Sourate Ar-Rum. Dans Sourate Ar-Rum, au verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Il nous dit, parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Donc regardez, monsieur Alexis Bongo, selon la pensée islamique, le fait qu'il y ait des couleurs diversifiées, c'est un signe qu'Allah a établi pour montrer qu'il existe. Donc toute personne qui ferait du racisme, toute personne qui aurait du dégoût ou de l'aversion pour quelqu'un qui aurait une couleur différente que la sienne, dans la pensée islamique, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec un signe qu'Allah a établi pour montrer qu'il existe. Ça, c'est islamique. Oui. Quand vous prenez également, excuse-moi docteur, je rajoute, quand vous prenez dans la sourate 38, sourate Sad, au verset 71 à 78, on nous relate la première personne qui a fait le racisme. La première personne qui a fait le racisme, c'est Satan. Puisque Satan, lorsque Dieu a demandé aux anges de se prosterner, et il a demandé à Iblis de se prosterner, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, non, moi j'ai été fait de feu, et il a été fait d'argile. En quelque sorte, je suis mieux que lui. Mieux qu'Adam. Il est mieux qu'Adam. Donc c'est du racisme. Et Allah a répondu, il s'est gonflé d'orgueil. Donc Allah a considéré le racisme comme une forme d'orgueil. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui qui a minimum un atome d'orgueil n'a pas sa place au paradis. Comme vous l'avez vu, Satan a été chassé du paradis. Donc, selon la pensée islamique, toute personne qui est raciste, il fait un acte satanique. Bien pire, il fait un acte qui a été la cause que Satan a été chassé du paradis. Et ça, c'est islamique. Et c'est dans le Coran. Docteur. Oui, bien sûr. Un complément d'objet direct. Oui, oui, mais tout ce qu'Abdallah a dit, ce ne sont que des évidences coraniques. Vous savez que dans le Coran, Dieu, à travers le prophète Mohammed, a fait même de l'affranchissement des esclaves noirs à l'époque du prophète un acte de foi. C'est-à-dire, affranchir des esclaves, c'est un acte de foi. C'est pour montrer qu'on était un bon croyant, qu'on était un bon musulman. Il fallait... C'est authentique ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est le Coran même et la sunna du prophète. Donc, les gens devraient faire la concurrence dans l'affranchissement des esclaves, libérer les esclaves. Parce que le prophète lui-même a donné cet exemple-là, en libérant des esclaves noirs. Et le prophète a dit, celui qui pratique le racisme n'est pas des nôtres. Celui qui pratique le racisme n'est pas des nôtres. Ça, c'est une parole du prophète.
Donc si vous voyez aujourd'hui un musulman qui est raciste, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec l'islam. Et la confusion que les gens font souvent, c'est de confondre les actes des Arabes esclavagistes avec l'islam. Oui, mais c'était des musulmans, ces Arabes-là. Mais les actes qu'ils posaient. L'histoire a retenu ces actes-là. Et ça nous a transmis ça. Mais un mauvais footballeur ne remet pas en cause la qualité du football. Mais c'est comme quelqu'un qui ne sait pas conduire et qui prend une voiture Mercedes et va la cogner contre lui. Ou bien renverser des enfants. Il n'y a qu'un loufoque qui dira que c'est la faute est au fabricant. Il ne connaissait rien. Pourtant, les fabricants n'ont rien à voir. Non, il a mis les freins, il a mis tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut était là. Alors, donc, l'islam n'a rien à voir. Donc, s'il faut c'est cela la différence même entre le Coran et la Bible. Parce que quand vous essayez de faire une étude comparée entre le Coran et la Bible, vous verrez que dans la Bible, il y a des versets qui encouragent l'esclavage. Oui. Dans la Bible. Mais dans le Coran, il y a des versets plutôt qui abolissent, c'est-à-dire qui condamnent l'esclavage. Et il venait de vous lire un verset du Saint-Coran. Là, vous blessez les chrétiens, mais non, continuez ça, d'abord. On ça peut donner des preuves. Ça sont des évitiques. C'est-à-dire, dans la Bible, oui, on encourage. Oui, c'est ça. Alors que le Coran bannit ça, condamne l'esclavage, ainsi de suite. Et les prophètes, comme je venais de le dire, donc Dieu, à travers les prophètes, a fait de l'affranchissement des esclaves un acte de foi. C'est-à-dire, c'est aussi il en a fait même un acte de rapprochement. Si vous voulez vous rapprocher de Dieu, c'est-à-dire avoir une élévation spirituelle, il faut affranchir les esclaves. Devant le prophète à son époque, il y en a qui en ont profité. Oui, ils ont affranchi des esclaves. Des preuves coraniques existent. Mais c'est pourquoi l'islam à l'époque était considéré comme étant la religion des esclaves. Parce que tous les esclaves adhéraient maintenant à l'islam. Parce que l'islam est venu pour faire quoi? Pour abolir l'esclavage, condamner l'esclavage. Donc il y a eu maintenant des gens de basse classe qui ont fait quoi? Qui ont beaucoup adhéré à l'islam. Et cela a commencé à inquiéter les Arabes qui occupaient une place élevée dans la société. Donc j'étais ici en train de faire allusion au verset que le frère a cité, dans la sourate Roum, la sourate les Romains, le verset 22, où Dieu dit, il y a un signe dans la diversité de vos couleurs, de vos langues, tribus, nations, peuples, ainsi de suite. C'est-à-dire, l'islam, l'esprit théologique de ces versets, nous montre clairement que la diversité de nos langues ne doit nullement constituer, c'est-à-dire un objet de mépris de l'autre. Mais plutôt, ça doit contribuer à chanter la grandeur de la sagesse divine. Parce que Dieu a voulu, Dieu nous a créés avec cette diversité. Pourquoi? Dieu nous montre clairement. C'est pour que vous vous connaissiez facilement. C'est-à-dire, en nous échangeant des informations, par rapport à nos différentes cultures, nos différences, différentes tout ça, couleurs, toute cette diversité là, toute cette diversité là doivent contribuer à chanter la grandeur de la sagesse de Dieu et non constituer un objet du mépris de l'autre, ainsi de suite. Ça, c'est le verset du Saint-Coran. Et ça, c'est un signe révélateur, c'est-à-dire du caractère universel de la mission du prophète Mohammed, la paix de Dieu sur lui. Vous êtes sans le savoir que le prophète Mohammed descend d'Abraham par Ismaël. Mais il descend d'une femme noire, Agar, l'égyptienne. On a vu dans la Bible. Oui, Agar était noire. Mohammed descend d'une femme noire. Mohammed avait des disciples noirs. On a oublié aussi de citer Bilal, qui était le muezzin du prophète. L'appel que vous attendez. Non, mais il faut que ce soit vrai ce que vous dites là. Non, c'est tout est vrai. Nous, on ne veut pas tout dire ici. Tout est vérifié en disant qu'il était ceci. Deux matins plus tard, au mieux, ça va enquêter là-bas. On va dire que Bilal était tout blanc ou tout arabe. C'est des choses qui révoltent. Il ne faut pas faire parce que vous êtes suivi, le monde entier nous regarde. Si vous dites quelque chose, docteur, surtout vous, les gens vont prendre en considération. Mais vous savez, donc il faut que ce soit authentique. Mais j'ai toujours dit la vérité par rapport à cela. Jusque-là, vous avez toujours dit la vérité. Ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi. Mais je ne m'inspire que du Coran et des traditions prophétiques. Donc le moins-un même du prophète. Le moins-un, les premiers moins-uns de l'islam, c'était un noir. Mais monsieur Alexis Bongo, vous avez dit quelque chose de très important. Pour revenir dans l'étude comparative, moi je sais que vous êtes un intellectuel. Vous savez très bien qu'en janvier 1454, le pape Nicolas V a déclaré la guerre sainte à l'Afrique. Ça, on sait. Vous n'êtes pas au courant de ça. On ne voulait pas qu'on en parle. Voilà. C'est dans les... On est venu parler de l'islam, du christianisme. Ces bulles papales, là, Romanus Pontiflex, voilà. Qu'a-t-il dit? Il a autorisé l'esclavage en disant que les Noirs n'ont pas d'âme. Mais regardez, moi, je vous demande, dans les 266 papes qu'il y a eu, donnez-moi un seul Noir qui a été le représentant religieux de la communauté catholique. Non. Mais pourtant, nous, on va vous donner... Dans toute l'histoire de l'Église. Non, mais pourtant, vous avez parlé d'histoire. Mais moi, je vous donne un ancien esclave affranchi qui est devenu le moufti, le représentant religieux de la Mecque. Atta Ibn Rabir, qui était noir. Authentique. Authentique. Atta Ibn Rabir, qui était noir. Accepté.
Et je vous dis que les compagnons, les autres musulmans, les compagnons du prophète sallam s'asseyaient même devant lui pour apprendre la science. Quand on était, c'était à l'époque des Omeyyades, il était le seul habilité à faire des fatawas, des avis juridiques. Et puis même, je peux aller plus loin, c'est un ancien esclave qui est devenu maintenant dirigeant des autres. Mais vous n'allez jamais voir ça dans le christianisme. Et pourquoi? Parce que vous allez tout simplement dans Proverbe, vous allez dans Proverbe chapitre 19, verset 10, où il est dit « Il ne sied pas à l'insensé de lui donner des délices, combien même à l'esclave de dominer des princes ». Donc, dans la pensée chrétienne, un esclave ne pourra jamais, à l'avenir, dominer ses maîtres. Par contre, en islam, on a vu avec Atta ibn Rabah que c'est lui qui est devenu même le mufti de la Mecque. Ça, c'est très fort. Mais attends, on ne s'avoue pas vaincu facilement comme ça, là, mon frère Abdullah. Restez tranquille. Nous, on demande à ceux qui maîtrisent l'histoire de l'Église, l'histoire de la papauté. Plus de 200 papes fouillés là-bas pour homéostasie la spiritualité des profondeurs. S'il y en a un seul, on ne vous en demande pas deux, un seul noir parmi tout le chapelet de papes qu'il y a jamais eu dans l'histoire de l'Église catholique, sinon de l'Église. Peut-être bien qu'il y en a un. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Non. Regardez ça et dites-nous s'il y en a un là-bas rapidement. On défie tout le monde. Bon, ça, aujourd'hui, nous parlons de l'homme noir et l'islam. Oui. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas comparer la Bible et le Coran par rapport à l'origine de la race noire. On ne peut pas. On ne peut pas comparer. Non, docteur, pesez bien vos mots. Oui, oui. Ce que je voulais dire, je vais dire quoi? C'est-à-dire, je voudrais dire ceci. C'est que selon la Bible, la race noire serait issue d'une personne qui aurait été maudite par Dieu. Ça, c'est connu de tout le monde. Calme. Alors qu'en islam, c'est évidemment, pas comme... c'est écrit dans non, la Bible. En islam, c'est pas comme ça. Ah. En islam, les prophètes nous montrent ça sur base des textes coraniques. Ils nous montrent clairement que d'abord, tous les humains, toutes les races, nous descendons d'un seul homme. C'est-à-dire, nous appartenons tous à la grande famille adamique. Et dans cette grande famille adamique, les prophètes nous disent, dans cette famille adamique, l'adoration doit être exclusivement réservée à Dieu seul. Et la paternité de l'humanité exclusivement attribuée à Adam. Et dans cette grande famille adamique, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ce n'est pas celui qui est blanc, ce n'est pas celui qui est rouge, ce n'est pas celui qui est noir, ce n'est pas celui qui est jaune, mais plutôt celui qui est pieux. Donc, sur le plan vertical, le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Et sur le plan horizontal, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est utile aux autres. C'est ce que l'islam nous enseigne. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi dans les versets que le frère a fait allusion, Dieu nous dit, dans la diversité de vos langues et de vos idiomes, couleurs, ainsi de suite, il y a un signe pour le monde. Ça, je l'ai expliqué ici en disant, cela ne doit nullement être, constituer un objet de mépris de l'autre, mais plutôt ça doit contribuer à chanter la grandeur de la sagesse divine qui nous a créé dans cette diversité pour que nous nous connaissions facilement, on s'échange nos différences, comme vous l'avez dit, c'est si bien dit d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi aussi les prophètes Mohammed est le seul prophète issu de la postérité d'Abraham qui a, c'est-à-dire, placé toutes les races sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Il a dit, et non sur la couleur. Non, il a dit, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Un autre humain n'est pas supérieur à un arabe. Lui-même étant un arabe. Mais il dit, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Un noir n'est pas supérieur à un blanc que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Évidemment. Aucun prophète de la Bible ne l'a enseigné. Si, ça c'est aucun. Aucun. Okay, okay, mais aucun. Non, mais les hommes de Dieu vont nous dire si qu'aucun n'a enseigné. Non, mais aucun. Non, mais pour vous, on a une question. Est-ce que quelque part dans le Coran, on n'a pas dit que les noirs sont les tout derniers? Pas du tout. Pas du tout. C'est impossible. On méprise. Allah il dit dans le Coran, dans la sourate At-Tin, Allah il dit j'ai créé l'être humain de la forme la plus parfaite. Comment maintenant on va dire que les noirs sont les derniers? D'accord. Non, si vous voulez trouver ça, on va vous trouver ça dans la Bible. Dans Cantique, chapitre 1, verset 5, quand on regarde les traductions actuelles, vous allez voir, c'est écrit quoi? Je suis noir, mais belle. Ah. Vous connaissez pas ça? Nous avons lu ça dans la Bible. Quand on parle de la reine de Saba, évidemment. On parle de la reine de Saba. Et pourtant, quand on prend le texte en hébreu, hein, c'est pas du tout ça. La particule employée, c'est le vav, qui est une particule de coordination. Mais bizarrement, quand on prend la traduction vulgate, hein, la traduction latine faite par Saint Jérôme, maintenant, on a remplacé par le mot latin sum, qui est une particule d'opposition. C'est-à-dire, je suis noir, mais belle. Comme si être une femme noire serait un obstacle à la beauté. À la beauté. Mais pourquoi?
On sur quoi il se base pour dire ceci? En tout cas, ça c'est problématique, hein, que les mordus de la spiritualité regardent ça. On a deux questions pour le docteur Abdelmadjid, comme on l'a sur ce plateau, pardon, et on reviendra sur vous. Docteur, au lieu que nous attendions qu'on nous appelle, qu'on nous dise, qu'on nous envoie des SMS par ce numéro pour nous dire, vous qui avez la maîtrise de ces choses-là, parce que quelqu'un nous disait hier encore, il faut que je voie docteur Abdelmadjid de mes propres yeux, parce qu'il a une culture générale spirituelle extrêmement poussée. Deux questions. La première, est-ce que de toute la lignée des papes qui existent, il n'y en a pas eu un noir? Non, pas du tout. Bon, même deuxième question. On a voulu proposer un noir comme pape avant l'élection du pape de Benoît XVI. Oui, oui. Mais les gens sont opposés. Parce que les gens brouillonnaient, on se disait peut-être que pour une fois, il y aurait un noir, peut-être. J'ai regardé, j'ai vu même des blancs à la télé qui disaient, mais qui baiserait la main d'un noir, d'un pape noir. Des blancs chrétiens. Oui, des blancs chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a un cardinaux, noir, tout ça, des archevêques et tout ça, un blanc chrétien un noir qui est devenu avec pape, la foi. Et puis un blanc va prendre sa mère puis baiser sa mère comme ça. Ils ont dit ça, c'est non, vraiment... Non, il peut pas. C'est l'horreur abominable. Mais chez nous à l'islam, nous baisons, c'est-à-dire les maîtres de nos imams noirs. Et vous avez vu même à la Mecque, qui est la direction de la prière, l'axe principal vers lequel les musulmans se dirigent pour faire la prière, il y a un imam noir là-bas. Un imam noir à la Mecque. Adil Kalban, il est venu même, il nous a rendu visite à Kinshasa. Et nous avons ensemble avec lui donné des conférences à Kinshasa. Un noir. Et derrière lui, il dirigeait la prière. Derrière lui, il y avait des Arabes, des Blancs, ainsi de suite. Parce qu'en islam, le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Docteur. C'est cela les critères de l'homme. On vous connaît. Donc nous, en même temps, on est très prudents avec vous. On sait que ce que vous venez de dire est vrai. Mais dites-nous, le frère Abdullah parle de la bulle papale. Est-ce que c'est authentique? Est-ce qu'un pape peut déclarer une telle abomination, une telle horreur? Monsieur Alexandre, on va vous faire lire quelque chose. Parlons-en de cette fameuse bulle papale. Tout est authentique. Lisez-la sur entrecrochet. Entrecrochet. Ça, c'est le commentaire de Rachi, l'un des plus grands commentateurs juif. D'accord. Alors, il nous dit, voilà la traduction littérale du verset de Genèse, chapitre 12, verset 11, quand Abraham s'apprêtait à rentrer en Égypte avec Sarah. Lisez-nous le passage avec crochet. Voilà. Le moment est venu. Maintenant, de se faire du souci à cause de ta beauté. Je savais depuis longtemps que tu es belle, mais nous arrivons maintenant parmi des gens noirs et laids, les frères des habitants de Couche, qui n'ont pas l'habitude de voir de belles femmes. Vous comprenez? C'est grave. Maintenant, demandez à tous ces pasteurs-là de dire amen. Non, mais ce n'est pas un pasteur qui a écrit. Mais en tout cas, lui, s'il se réfère aux traditions juives, en tout cas, ce verset-là, la tradition littérale, c'est celle-ci. C'est comme quoi que Abraham aurait dit à Sarah, voilà, tu t'apprêtes à rentrer dans un peuple de gens noirs. Noir. Donc déjà, ça nous fait plaisir. Ils n'ont pas l'habitude de voir de belles femmes. Au moins, il admet ils sont laids. Que l'Égypte antique était noire. Bon, ouais. Ça nous fait déjà plaisir. Ça fait plaisir énormément. Au moins, les écrits de Hérodote, la dernière fois, à la chaîne Télé Congo, il y avait un de nos voisins qui nous disait que non, les noirs n'ont jamais eu de puissance. Voilà, il faut qu'ils rejoignent leurs frères extraterrestres, les 9000 noirs extraterrestres, comme s'il n'y avait pas assez de noirs ici. Ici sur Terre, moi je lui laisse la planète extraterrestre. Je ne sais pas. Évidemment, voilà. vous parlez de Maître Dembokolo. Voilà, donc comme avec le vaisseau, il y a un vaisseau dans le ciel avec 9000 anges noirs. On va lui en payer. En fait, ils viennent pour on va lui payer sauver son billet d'avion. On lui paye son billet d'avion, plutôt son billet de soucoupe volante. De soucoupe volante. Et nous, on a du travail à ou faire de vaisseau ici, spatial ici sur Terre. Écoutez, nous ne pouvons pas adhérer à cette chose-là parce que le musulman averti, je vous l'ai dit. Il a déjà lu le Coran, la Katrala Kanal Insen fi Asen Takwi. Ça veut dire qu'il sait que Allah a créé l'être humain de la forme la plus parfaite. Donc toute personne qui adhère à cette chose-là, il contredit la pensée coranique. Dans Sourate Ar-Rum, le verset 30 de cette même sourate, Allah dit La tabdila li khaliqla. Il n'y a pas de changement. Pas de changement dans la création d'Allah. C'est interdit. De changer sa création. Super. On a une question pour vous, mais docteur, ceux qui nous suivent avec attention veulent profiter de votre présence. Au moment où vous êtes venu aider le frère et nous aider, il pose cette question-là rapidement, une petite leçon d'histoire. C'est quoi la bulle papale? Ça sort d'où? C'était à quelle occasion? Ça veut dire quoi? Non, vous savez... La fameuse bulle papale. Oui, mais ça sont des décisions prises par le Vatican. Moi, je n'aimerais pas trop
rentrer dans cette histoire de sinon, peur, de ne pas blesser les sentiments. Voilà, on risque de dire, voilà, ouais, bon, il a dit ceci. Mais oui, mais pour ceux qui veulent savoir, c'était quoi cette histoire? Du moins, c'est historique. C'est historique, c'est connu. C'est historique, c'est connu, c'est scientifique même. Parce que ce sont des décisions qui ont été prises par la haute hiérarchie. Et des décisions qui ont fait souffrir toute une race. Qui ont légitimé l'esclavage. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est en se basant sur l'esprit téléologique de certains versets de la Bible. Parce que déjà, dans l'Ancien Testament, l'esclavage est autorisé. Et dans le Nouveau Testament, par exemple, Paul, quand tu te parles, il te dit que non, que les esclaves respectent, obéissent à leur maître. À leur maître. Comme s'il convient d'obéir à Dieu. Oui, ça, c'est un enseignement qui ne poussera là, jamais. Là, Paul demande carrément qu'on se soumette. Qu'on se soumette. Est-ce que vous comprenez? Que les esclaves acceptent de rester esclaves. La condition d'esclave. Votre condition d'esclave. Les hommes de Dieu, il faut regarder ça. Est-ce que Paul a dit ou pas? Nous ne maîtrisons pas, mais le docteur l'a dit. Souvent, quand il dit quelque chose, c'est vrai. Mais regardez ce que Paul n'a pas poussé comme ça les esclaves à rester esclaves et à adorer leur maître. On peut rajouter, quand vous allez dans Luc chapitre 7, versets 1 à 10, vous connaissez l'histoire du centurion romain, que voilà, quand son esclave était malade, il a demandé à Jésus de le guérir. Et puis Jésus a dit, je ne connais pas dans tout Israël quelqu'un qui a une foi semblable à celui-ci. Mais regardez bien, monsieur Alexis Bongo. Le centurion romain avait un esclave. Jésus ne voyait pas un obstacle à sa foi qu'il ait un esclave. Il a dit non, malgré qu'il a un esclave, en tout cas dans Israël, il n'y a pas quelqu'un qui a une foi semblable à celui-ci. En tout cas. Mais pourtant, quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde le hadith rapporté d'après Bukhari, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui affranchit un esclave, Allah le sauvera son corps du feu comme il a sauvé le corps de cet esclave. » Vous voyez que le prophète, il a mis un lien avec la foi, le fait de pouvoir être sauvé du feu par le fait d'affranchir un esclave. Très, très important. C'est très important. En tout cas, c'est le jour et la nuit, quand on compare, quand on fait une étude comparative avec ce qui est écrit dans la Bible. Le docteur Abdul m'a dit de s'être retenu, parce qu'après, on va le dire, oui, le docteur, c'est pas le docteur, c'est historique. Ouais. La bulle papale. Quand ça se prenait, le docteur n'était même pas encore né. Nous, il le fait de constater les dégâts, parce que ça a mis en esclavage tout un peuple durant plus de 4 siècles. Alors là, quand on parle, est-ce que c'est criminel? En tout cas, tous les catholiques en Soutane devraient venir ici nous expliquer d'où vient-il que le pape, qu'il y eut un pape dans l'histoire de l'humanité, comme ça, a légitimé, à rendre possible l'esclavage sur les bases bibliques et scripturaires, la parole de Dieu. Comme pour dire, avec notre frère Abdullah qui vient seulement de le retracer ici, que les Noirs n'ont pas d'âme, que eux, vous pouvez les considérer comme des animaux, vous pouvez les considérer comme des meubles, du mobilier, en tout cas, ça ne change absolument rien. Monsieur Alexis Bongo, il faut recadrer les choses. Quand on recadre les choses. Quand on parle d'esclavagisme, il faut savoir que l'esclavagisme a été en tout lieu et en tout temps. Les premières traces de l'esclavagisme, c'était en Mésopotamie avec le code d'Amashuri. Et les esclaves, ce n'était pas une même forme d'esclavagisme comme l'esclavagisme qu'on peut voir, par exemple, biblique. Ah. Quand vous allez biblique, on peut frapper son esclave. Vous allez dans Proverbe, par exemple, chapitre 29, verset 19, « Ce n'est pas par la parole qu'on châtie l'esclave. » C'est biblique. Et biblique. Puis, quand vous allez dans Exode, chapitre 21, le maître peut frapper son esclave. S'il ne le tue pas, il n'est pas puni. Mais pourtant, islamiquement parlant, celui qui frappait son esclave, parce qu'on va même rentrer dans ce terme qui est servant, celui qui frappait son esclave devait l'affranchir. Vous prenez le Sahih Muslim d'après Abu Mas'ud. Celui qui frappait son esclave devait l'affranchir. On vous dit, devait l'affranchir. Je vous donne l'histoire d'Abu Mas'ud qui avait frappé son esclave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Il lui a dit, Allah a plus d'autorité sur toi que toi sur cet homme. Et Abu Mas'ud a dit, moi, par amour d'Allah, je l'affranchis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu n'aurais pas fait ça, les portes de l'enfer te seraient ouvertes et le feu t'aurait brûlé. Nous, on a des textes comme ça, c'est incontenable. Authentique, docteur. C'est authentique. Mais c'est-à-dire, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été établis par le prophète lui-même et qui visaient à affranchir tous les esclaves. Mais on a l'impression que le prophète avait cerné tous les problèmes de l'humanité. Oui, mais parce que vous savez, même les solutions qui ont été apportées par les prophètes, ce n'est pas comme celles qui ont été apportées par les Américains. Avec des solutions limitées. La lutte, par exemple, de Lincoln contre l'esclavage, ainsi de suite. Quand on a cherché à affranchir les Noirs, mais ils ont trouvé des problèmes sérieux. De sorte que certains esclaves ont même souhaité retourner chez leur maître. Évidemment. Alors qu'à l'époque du prophète, ce n'était pas comme ça. Il y avait des mécanismes, c'est Dieu lui-même qui l'avait inspiré au prophète. Et quand on les mettait en pratique directement, les choses allaient comme sur des rails. Vous voyez.
Donc ça poussait les gens à considérer les esclaves comme étant leurs frères. Le prophète exigeait même au maître de s'habiller comme son esclave. Alors si vous ne pouvez pas vous habiller comme votre esclave, vous devez faire quoi? Vous devez l'affranchir. Il y a autre chose. Le ça, c'est ingénieux. Le ça, c'est magnifique. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un autre processus. C'est très sage. Très profond. Le prophète Sallam interdisait qu'on appelle son servant esclave. Il disait, appelez-le mon neveu, mon fils, parce que ce sont vos frères. Et c'est dans le Sahih Muslim. Et il disait aux esclaves, n'appelez pas votre maître mon seigneur. Ouais. Appelez chef ou patron comme un salarié. D'accord. Il y a des explications très précises en islam. Mais je vous l'ai dit, le sujet de l'esclavagisme, c'est un sujet qui me touche particulièrement à cœur. Il faut savoir déjà que quand on parle des Arabes, la couleur arabe n'était pas homogène. Tout comme la couleur israélite, il y avait des noirs qui étaient arabes. Il y avait des noirs arabes. Il y avait des compagnons du prophète. Donc à cette époque de razzia et d'esclavage, déjà, là, même quand il y avait des noirs. Mais déjà, même quand vous allez. Arabes qui mettaient au fer. Quand on va dans les pays arabes, on trouve des noirs. Évidemment. Quand on va au Yémen, il faut savoir, parce qu'on a toujours cette idée de penser, de mettre un lien entre l'esclave et le noir. Mais pourquoi faire cela? Je vous rappelle que nous, en tout cas, islamiquement parlant, le musulman averti, il se rappelle que quand les musulmans étaient persécutés, ils sont partis se réfugier chez un royaume noir d'Abyssinie, le roi Négus, et que le roi Négus avait la possibilité de lui les réduire à l'esclavage, ces gens-là. Le roi Négus. Il aurait pu le faire. Mais le roi Négus avait un royaume tout puissant. L'Éthiopie, l'Abyssinie n'a jamais été colonisée. Il y avait le royaume d'Aksum. C'est ce que nous dit l'histoire. Oui, ça c'est une histoire que le peuple africain doit connaître. On a cette idée bizarre de penser que l'homme noir, il est toujours, c'était un esclave faible. Non, Allah même parle dans Sourate El-Fil, la Sourate les éléphants, du peuple éthiopien qui a failli conquérir la Mecque. Ils avaient une armée ultra puissante. Il faut qu'on retrouve l'histoire. Donc maintenant, le problème, pourquoi justement on a voulu entamer un sujet de la sorte? Car malheureusement, et vous le savez par rapport à tous les incidents qu'il y a actuellement dans le monde et dont le peuple africain est victime, alors on tombe vraiment dans une grande amalgame qui pousse certains à un séparatisme du peuple. Mais nous, musulmans, nous ne pouvons rétrograder à un communautarisme quand nous savons que le message islamique est universel. C'est impossible. Ça, c'est revenir au niveau moins 1 quand nous sommes déjà au 18e étage. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez, monsieur Alexis Bongo? C'est très important. On s'efforce de comprendre. Ah, c'est très important, monsieur. On s'efforce de comprendre, mais mon frère Abdullah, bon, quoique n'étant pas musulman, est-ce que je peux me permettre d'appeler mon frère Abdullah et ça ne vous blesse pas? Non, ça ne vous fait rien. D'accord. Non, mais c'est non. Le prophète lui-même dit, vous descendez tous d'Adam. Vous êtes des frères. Ah, super. Nous sommes tous des frères parce que nous descendons tous d'Adam. Super. Mon frère Abdullah, une question pour vous et le docteur répondra aussi. On est entre nous. On parle de l'homme noir et l'islam. Ici, c'est des noirs qui sont là. Alors, ne faites pas comme si, ne faites pas comme si on vous a déjà acculturé, on vous a déjà déracialisé. On crée un mot là, on ne sait pas. Le docteur sait que nous inventons quelque chose qu'on pourrait dire. On a retiré le logiciel racial pour en mettre un autre. Vous êtes noir. Nous sommes noirs. Merci, docteur. Dites-nous, entre nous, est-ce que les noirs musulmans, les musulmans noirs, sont vraiment des musulmans au même titre que les autres musulmans du monde? Devant Dieu, oui. Ils sont considérés. Devant Dieu, oui. Maintenant, si certains des musulmans ou de personnes qui se disent musulmans ont le cœur malade, moi, je n'ai pas besoin de me contaminer par ces personnes malades. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je prends comme exemple le prophète, alayhi salatu wassalam, qui considérait un homme noir comme son fils adoptif, qui considérait l'enfant de cette fils adoptif comme son petit-fils, qu'on le surnommait, ce petit noir-là, on l'appelait Hubb Rasulillah, l'amour du prophète, sallallahu alayhi wasallam. Moi, c'est cet exemple-là que je regarde. Je regarde Julaybib, cet arabe noir, car il y avait des arabes noirs, je vous le répète. Et Julaybib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Hadha minni wa ana minnu, celui-là est de moi et moi je suis de lui. » Nous, c'était cet exemple-là qu'on prend. On n'a pas besoin de regarder les mauvais footballeurs. Alors, docteur, est-ce que, parce qu'on sait, et vous le savez mieux que nous, que par les temps qui courent, c'est l'islam qui est captivant. Et c'est tout le monde qui vient vers l'islam. Mmh. En tout cas, les conversions se sont beaucoup plus vers l'islam qu'ailleurs. Ça, on sait. Mais est-ce que tous ces noirs-là, tous ces jeunes-là, tout ce monde qui se convertit à l'islam-là, aussi négro que nous-là, est-ce que vous pensez qu'ils sont vraiment
des musulmans est considéré comme tel dans les archives de l'islam, de la religion, jusqu'à la Mecque, on sait que c'est des musulmans, non, des vrais musulmans. Ouais, bah, non, ou bien c'est des musulmans de basse classe. Non, on fait ça seulement pour que ça puisse occuper la terre, mais voilà. Non, on fait comme s'ils étaient comme nous, hein. On fait semblant un peu, mais ils ne sont pas comme nous. Non, on ne peut pas faire semblant lorsqu'il qui décide de qui est musulman et qui ne l'est pas. On ne peut pas faire semblant lorsqu'on sait qu'il y a des textes coraniques et des textes tirés de la tradition prophétique, n'est-ce pas, qui montre clairement aux Noirs qu'ils ont leur place, n'est-ce pas, dans l'humanité. Parce que comme je l'ai dit, les prophètes ont dit... Parce que ce sont ces textes qui font autorité. Mais c'est ça. C'est l'islam, ce sont les textes. Ce n'est pas le comportement des Arabes. Des uns et des autres. Il y a une sourate qui porte le nom d'un Noir. Sourate Luqman. Oui. Ça porte le nom d'un Noir. Ça, c'est fort. C'est fort. Et dans cette sourate, attention, dans cette sourate, c'est-à-dire chaque musulman qui lit le Coran, il est obligé de faire l'éloge de cette personne noire. Puisque dans le passage islamique, parce que regardez, je vais vous faire lire même un passage du deuxième Moïse dans la tradition juive, hein, Maïmonide, le Rambam, hein, ce livre-là, qui, d'ailleurs, petite anecdote, il a été écrit en arabe et traduit en hébreu, parce que c'est une personne qui a vécu dans le monde arabe. Donc pour toute personne qui nous dit que les musulmans, leur hobby, c'est de traquer les juifs, sachez que la plus grande autorité juive a vécu en prospérité dans le monde musulman. Regardez non seulement cela, mais les juifs ont également connu leur âge d'or sous la domination musulmane. Et il y avait aussi dans le peuple israélite, j'en parlais avec docteur hier, il y a des israélites qui étaient noirs. Il y a les Danites, quand on parle des 10 tribus perdues de la maison d'Israël, les Danites, on les trouve en Côte d'Ivoire, les Danes dans la région de Mans. Si, il y en a qui revendiquent ça. On parle également des Lemba. Donc, ce n'était pas une homogénéité. Et on va lire un passage de Maïmonide qui, je pense, va vous surprendre. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. C'est dans le livre Le Guide des Égarés. Hein, c'est une référence. Il nous dit ceci. Quant à ceux qui étaient hors de la ville, hors d'Israël, ce sont tous les hommes qui n'ont aucune croyance religieuse, ni spéculative, ni traditionnelle. Comme, par exemple, il donne des exemples, les derniers des Turcs dans l'extrême nord, les nègres dans l'extrême sud et ceux qui leur ressemblent dans nos climats. Ceux-là sont considérés comme des animaux irraisonnables. Je ne les place point au rang des hommes. C'est-à-dire, selon Maïmonide, en dehors d'Israël, personne n'avait une religion, on ne connaissait pas Dieu. Et il dit quoi? Il dit un élément très bon qui vient encore confirmer ce que je viens de dire. Ceux qui leur ressemblent dans nos climats. C'est-à-dire que lui-même confirme que chez les Israélites, il y avait certains qui ressemblaient à des Turcs, certains qui ressemblaient à des Noirs. Ce n'était pas une couleur homogène. Comme par exemple ce que je vous dis avec les Arabes. Quand on parle de l'esclavagisme arabo-musulman, il y avait des Arabes noirs qui prenaient en esclaves d'autres hommes noirs. Très très intéressant. C'est ça qu'il faut, appuyer. Moi j'ai un livre à la maison ici en France, on parle maître noir et esclave blanc. Parce qu'il y avait des hommes noirs qui avaient réduit à l'esclavage l'Europe quand il y avait des grands royaumes. Ça, c'est des choses qu'on doit dire. Mais ça, là, c'est des choses. C'est on vous attend au prochain voyage. Oui, vous arrivez avec ce livre-là pour qu'on développe cette thèse-là. Comme je vous l'ai dit, regarde, Maïmonide dit qu'en dehors d'Israël, les gens ne connaissaient pas Dieu. Et ça, c'est quelque chose que les chrétiens ont pris comme héritage. Oh non, un prophète doit faire partie de la maison d'Israël. Mais le Coran vient démentir cela. On prend Sourate An-Nahl. Dans la sourate 16, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a envoyé des prophètes dans chaque communauté. On prend également la sourate Younous, la sourate 10 au verset 47, c'est-à-dire dans la pensée islamique, chaque peuple avait eu un prophète. Donc il y avait des prophètes dans chaque coin de la terre. C'est-à-dire avant même l'avènement du prophète Mohammed, il n'y a pas une seule nation, un seul peuple qui n'a pas reçu la visite d'un prophète. Ah, parce que tous nous avons été créés dans le noble but d'adorer Dieu. Ce ne sont pas seulement les Israélites qui auraient été créés pour adorer Dieu. Non, non. Pas seulement eux. Non, pas seulement eux. Toute la race humaine a été créée dans le noble but d'adorer uniquement Dieu et de mener une vie vertueuse fondée sur sa volonté sur le plan vertical comme horizontal. Cela étant, toutes les races du monde ne pouvaient connaître le but de leur existence sur terre qu'à travers quoi? Qu'à travers l'envoi des prophètes, qui étaient donc les porte-parole de Dieu. C'est pourquoi le Coran rétablit cette vérité en disant « Dieu a suscité des prophètes par chaque communauté. » Et vous les considérez tous. On les considère tous, mais ça sans exception. Ça fait partie de l'un des 6 piliers de la foi en islam. C'est-à-dire nous devons de croire à tous les prophètes de Dieu sans exception. Si vous refusez seulement de croire à un des prophètes de Dieu, c'est fini. C'est-à-dire même votre foi à l'un d'eux s'avérerait être nul, ne pas être malhonnête, ne pas être sincère. Parce que tous ces prophètes ont été envoyés par un seul Dieu. Ouais.
Et c'est le prophète Mohammed qui est venu rétablir cette vérité. C'est pourquoi je dis que les Noirs ne peuvent que se convertir à l'islam. Parce qu'ils retrouvent leur valeur. Normalement. Normalement, naturellement. Naturellement. Parce qu'ils retrouvent leur place dans l'islam. C'est l'islam, c'est Mohammed seul qui a placé toutes les races sur le même pied d'égalité et qui a basé les critères de noblesse sur la piété, qui a eu des disciples noirs de son vivant, qui est sorti d'une femme noire Agar et qui a épousé une femme noire. Et regardez les chrétiens comment ils ont... Et qui a épousé une femme noire. Regardez comment les chrétiens ont adoré, ont épousé des idées juives. Aujourd'hui, pourquoi on cherche à minimiser Agar? Pourquoi on cherche à minimiser Agar? On dit d'Agar qu'elle était esclave, alors qu'Agar n'a jamais été esclave. Agar était la fille. Oui, ça c'est vous qui avez soulevé cette vérité. Nous l'avons soulevé, mais c'est, voilà ici, juifs, voilà c'est reconnu par les Juifs eux-mêmes. Ah. Agar a été la fille du pharaon d'Égypte. Sarai, on a changé son nom, Sarai, et on a donné à son nom l'essence de princesse. Mais c'est, on a donné à son nom l'essence de princesse, mais elle n'a jamais été princesse. Mais Agar était princesse de par son statut elle social. Elle était authentiquement princesse. Princesse, fille de Pharaon. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'on a voulu, parce qu'on sait très bien que Mohammed est sorti d'Agar, mm. il est du sorti coup, d'Ismaël, du coup il faut chercher à faire quoi? À minimiser mm-hmm. Agar, qui est notre sœur mm-hmm. égyptienne, qui est notre sœur, une africaine. Ça c'est vraiment Agar. Nous-mêmes. Et le Pharaon connaissait Dieu, mm-hmm. c'est pas comme l'a dit Maïmonide, parce que vous allez lire même dans la Bible, lorsque le Pharaon a voulu prendre Sarah pour femme. Mais, et puis Dieu est intervenu pour l'empêcher de la prendre pour femme. Mais qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit, mais Seigneur, mais Dieu, tu connais la justesse de mon cœur. S'il ne me l'avait pas présentée comme étant sa sœur, je n'aurais jamais cherché à la prendre pour femme. Mais comment le Pharaon a-t-il connu Dieu? Et Dieu a dit, très intéressant. Dieu a dit, et c'est à cause de la justesse de ton cœur que je suis intervenu pour t'empêcher de prendre cette femme. Mais comment le pharaon a-t-il connu mais Dieu? Comment le pharaon a pu comme ça la est-ce connaître que vous Dieu? Peu? Mais on va vous dire que non, personne ne connaissait Dieu si ce n'est les enfants d'Israël. Non, le Coran nous dit qu'il a suscité les prophètes partout. Il nous reste une minute, mais nous posons cette question-ci à tous les hommes de Dieu, à tous les hommes en soutane. Comment même pharaon lui-même a pu comme ça la connaître Dieu? Et même, comment Dieu a pu venir converser avec Pharaon. Voilà la problématique. Il n'y a pas que l'Israël à avoir été en relation avec Dieu. Nous reviendrons sur ça. Ce qu'il faut dire ici, c'est quoi? Mm-hmm. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement Israël. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est Abraham que Dieu avait choisi. C'est vrai, reconnu. C'est-à-dire, Dieu a suscité des prophètes partout, mais il a choisi Abraham. Et il a dit, c'est à travers lui que toute l'humanité sera sauvée. En d'autres termes, les juifs et les chrétiens musulmans sont d'accord. Quand ils lisent ces versets, ils comprennent, comme voulant dire, c'est à travers un descendant d'Abraham que toute l'humanité sera sauvée. Et ils divergent seulement sur l'identité. Sur l'identité seulement. L'identité de ça. Savoir les quel juifs est ce disent qu'il s'agit là. De leur Messie. Voilà. Il n'est pas Jésus. Chacun tire le drap les de son chrétiens côté. Disent qu'il s'agit de Jésus. Et les musulmans disent qu'il s'agit de Mohammed. Et nous disons qu'il s'agit de Mohammed parce que Mohammed est le seul prophète qui a placé toutes les races sur le même pied d'égalité. Et il a basé les critères de noblesse sur la piété. Et il est le seul prophète ici de la postérité d'Abraham qui a dit j'ai été envoyé à l'humanité toute entière. J'ai clos la prophétie, il n'y a pas de prophète après moi. L'arabe n'est pas supérieur à notre être humain, comme nous l'avons dit ici. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un blanc, qui est par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Super. Et ça, qui peut s'opposer à ça? Qui peut contester ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand ou encore, qu'est-ce qu'il y a de plus équilibré que ça? Affaire à suivre, sinon. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, c'est l'atterrissage. Pardon, monsieur mon frère Abdullah, oui. On a juste, je veux juste faire un petit passage. Docteur m'a très dit important, qu'aujourd'hui, oui. je dois frapper à sa place. Frapper. Juste on vous donne une minute pour frapper. La dernière minute. Allah, nous, quand on a parlé, quand on a dit l'homme noir et l'islam, il faut savoir, ne nous méprisons pas. Nous ne méprisons pas. On a voulu faire zoomer une page. Mais le livre islamique est universel. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 21, verset 107, « Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ». Il a envoyé le prophète sallam comme miséricorde à tout l'univers. Regardez quand on prend un hadith authentique dans le Mousnad de l'imam Ahmed où le prophète sallam parlait avec trois personnes. Il parlait avec Bilal, Ibn Rabir, le Mouezine. Rapidement, on est arrivé à l'atterrissage. Il parlait avec un pauvre, Yazir. Il parlait avec Mirja, un autre noir. Et les Qurayshites nobles ont dit, voilà, toi tu parles avec eux. Ils ne sont pas de notre classe sociale, ils ne sont pas comme nous. Si tu veux qu'on parle de l'islam, repousse-les. Et le prophète sallam a dit, je ne repousse pas les croyants. Et un verset coranique est descendu. Sourate 5, verset 62, ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, recherchant sa face.
Mais faites le comparatif avec Jésus, qui lui a repoussé quelqu'un qui n'était pas israélite. Dans Matthieu chapitre 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Israël. Regardez la différence. Le prophète Israël ne repousse personne. Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il n'avait pas tort. Et il n'avait pas tort. Parce que sa mission était circonscrite au peuple d'Israël. Il n'avait pas tort. C'était que la vérité. Celle de Muhammad était universelle. Super. En tout cas, on est arrivé à la fin de cette émission, mais en tout cas, on demande à DRTV de nous accorder 30 secondes. On est arrivé à l'atterrissage, bel atterrissage, déjà fait. Mais vous avez ici quelque chose, on avait lu en passant. L'Afrique en tête, en 30 secondes, ça veut dire quoi? Au fait, c'est un commentaire biblique contemporain avec 70 théologiens africains. Et donc, il y avait des révélations qui allaient encore vous faire trembler. Ça, sera au prochain numéro. Quand vous serez revenu. On aime cette température. C'est bien de décrypter ces vérités-là. Donc, c'est avec commentaire biblique avec 70 théologiens africains qui a été confirmé, approuvé par les plus grands théologiens, dont par exemple Henri Blocher, un théologien international dont j'ai eu l'opportunité de débattre. Et donc, on avait voulu vous montrer. On avait voulu creuser là-dedans. Mais c'est affaire à suivre. En tout cas, toutes mes félicitations, mon frère. Vous nous avez ouvert les yeux sur la vérité, sur l'islam. Vous qui disiez qu'il n'y avait aucun lien entre le saint prophète de l'islam et l'Afrique, vous vous étiez trompé. Vous qui disiez qu'il n'y avait aucun noir autour du prophète, vous l'avez entendu. Et que vous qui dites qu'aujourd'hui, l'Afrique devrait penser à autre chose qu'à l'islam, vous vous trompez énormément parce que la vérité africaine est essentiellement islamique. Et c'est ça ce que nous venons de découvrir. Et c'est ça la voie de sortie pour cette Afrique qui se cherche, qui est comme ça là, le dernier des continents. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.